Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, on va essayer plutôt ces stylos qui sont faits pour dessiner sur les t-shirts, pour les petits graffitis sur les t-shirts. Donc je les ai présentés dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez plus d'informations. Donc là, j'ai un t-shirt blanc. Voilà, donc avec un petit nœud, ça fait plus estival, plus sympa. Et donc maintenant, on va dessiner dessus une petite image donc avec nos stylos prévus à cet effet. Voilà. Donc, ça y est, c'est parti, on y va. Donc, j'ai un carton. Voilà, donc on va le mettre dans le t-shirt parce que voilà, pour pas que la couleur ne traverse. Les deux couches, voilà. Voilà, vous pouvez prendre autre chose qu'un carton, bien sûr, mais il faut que ce soit assez épais, hein. Donc là, on va commencer à faire un mignon. Et pour cela, on va prendre du jaune. Voilà, donc mon t-shirt mignon est terminé. Donc voilà, il faut bien le laisser sécher maintenant et pour voilà, bien le fixer aussi. On a une alternative qui est le fer à repasser. Voilà, donc bien sûr, voilà, donc faut que ce soit un adulte qui le fasse, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu, si ça vous tente de faire ce t-shirt. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, donc en regardant cette vidéo, donc je trouve que vraiment ce t-shirt est vraiment super mignon. Voilà, donc après à vous d'être créatif, hein, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. On a plein de couleurs, vous avez pu le constater. Voilà. Donc là, on a un petit mignon avec un cœur. Voilà, donc avec sa petite salopette, sa tête, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser des commentaires. Regarde nos autres vidéos également, donc on a plein de vidéos comme ça, et puis, enfin, sur plein de choses, surtout, et sur le monde des jouets. Donc n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, et on se dit à une prochaine, salut!